Réveillé à 4h du mat. Ce qu'on fait pas pour vous, putain. Pour nous aussi. Bah, pour nous aussi, c'est vrai. Ouais, mais bon, on vous fait profiter aussi. Lâchez les pouces bleus, hein. Faites-moi des vues. Et sortez la carte bleue, allez sur le Tipeee. On a bien fait de se lever, hein. Ça vaut le coup, y a personne. Ouais, c'est vrai. C'est terrible. Yo les gars, première chose qu'on fait en arrivant à Brooklyn, McDonald's bien sûr. La logique imparable, on a les gobelets en plastique avec la paille en papier. Tout l'inverse de chez nous. T'as pris quoi toi? Crispy Deluxe Chicken. Un Crispy Deluxe Chicken et moi j'ai pris un gros classique, Quarter Pounder with Cheese. Bon bah, le McDo au pays du McDo, très bon hein. On va partir en direction du Parc des Prospects. On va rentrer à l'intérieur mais le but c'est de pas craquer là. Sauf si on tombe vraiment sur un truc bien. Ouais, c'est vrai, on a plus de sous. New York, ça coûte cher. Il y a des perles, c'est vraiment le turfu. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. On arrive au Prospect Park. Ouais, ouais, ouais. C'est sympa des chiots, t'as vu? Ouais, carrément, il y en a qui ont même sorti une tente et tout. Il y a un parc ou c'est une colline? Putain, il y a du monde! Bah, il fait beau, hein, demain il pleut. Ouais, il faut mieux profiter là. T'es perdu, frère? Retourne dans les Caraïbes. C'est vrai qu'il a l'air immense le parc. 235 mètres carrés. 135 mètres carrés ou hectares. So now, where here we go? Williamsburg. Go to Williamsburg. Acheter tes courses, tes boissons, ton petit jus d'orange. Mais si t'as besoin d'accessoires, il n'y a pas de problème quoi. Hey. Putain, ils sont gros. C'est des vrais joints. C'est des vrais joints, c'est des purins, hein, t'imagines? Ah ouais, c'est de la vraie, c'est des purins. Hein. Et ils sont gros sa mère. Hein. Alors nous, qu'on n'est pas des fumeurs, ça nous impressionne, hein, mais peut-être que c'est normal. Oh, tu rigoles. En fait, c'est ça les pubs ici. Ils peignent sur les murs. C'est, ouais, c'est pas mal. C'est beaucoup plus joli. C'est vrai que Brooklyn, tu as énormément de parcs, de calages, de petits endroits où te poser, d'une manière générale. New York ou même Canada et Québec, ce qu'on peut constater, c'est que même quand il y a beaucoup de monde, les gens sont calmes.
après cette petite excursion citadine en mode street Brooklyn, on se dirige vers une activité touristique fort, comment on pourrait dire, incontournable. Ici aussi ça a l'air cool, hein. T'as des petits endroits pour faire du basket, tout ça. Et là, le long de cette petite balade le long du fleuve, là, tu peux faire ton sport. Bon, vous l'aurez compris, hein, on va faire du bateau. Mais Tsuki Marty, il est malade en hélicoptère et en bateau. Toi non, ça va, hein. Ça va pas, hein. Non, putain, comment je rigole. C'est jamais en germe. Je veux pas dire, mais ça bouge beaucoup, hein. Comme ça bouge, j'annonce qu'il y a de grandes chances que je vomisse. C'est le mouvement continu comme ça là. Oh, ça bouge. Hello. Ah, we can. This is VIP, guys. Oh, ok. On est des pauvres. Voilà, on est des pauvres, on doit être là. Vraiment cool, très beau. Ouais, on a payé quoi ? Genre 45 euros, 40 euros. Franchement, ouais, ça vaut largement le coup. C'est bien rentabilisé. Donc voilà, c'était super cool. Normalement, on pourrait pas. Attends, c'est trop cool. Donc là, on va marcher un petit peu pour aller au resto, ça va me faire du bien. On va se diriger vers Shanghai. Bon, allez, à plus tard. De Marty, quand vous voyez un restaurant chinois ou asiatique en général, vous voyez que c'est un petit peu le bordel, vous savez que vous allez bien manger. Thank you. Ah, les bonnes assiettes. Ah. Alors, c'est vraiment bon. Merci. Bon appétit. Eh, Chinatown, c'est pas mal. Ça, je sais pas. Oh. Trop manger.